sur la rue d'épuration, imbécile et brutal. On en profite pour liquider le voisin, parce qu'il avait un peu trop regardé votre femme. Ou les créanciers trop pressants. Le patriotisme exacerbé et la défense de la cause du peuple ont toujours beaucoup contribué à l'extinction des dettes. En période de crise, la dénonciation de locataires est aussi la façon la plus élégante de se procurer un appartement. Mais après, les choses se tassent. Il faut avoir des compétences. Et les hommes de ma trempe, rompus aux affaires internationales, redeviennent indispensables. Quelle était votre spécialité? Le bridge. Mais il n'a pas gagné plusieurs coupes de tir au pigeon. Évidemment. À moins que le gouvernement provisoire de la Nouvelle République ne décide de la destruction massive de ces volatiles. Cela me paraît plus probable. Le sang des pigeons coulera le dernier. Une spécialité. Il faut avoir une spécialité. Cherchez encore. Plus jeune, on m'assurait que je pensais très bien. Ce n'est pas sérieux. Ça va pas au sérieux. Une grande partie de ma vie. Mais maintenant, l'optique a forcément changé. Comme vous dites. Je le savais très bien parler aux femmes. J'ai peur que cela ne leur paraisse pas non plus très important. Remarquez qu'on va les annoncer. Justement, on n'aura plus besoin de savoir leur parler. Je crains bien d'être irrécupérable, comme ils disent dans leur jargon. Pour un gouvernement du peuple. Vous n'avez jamais appris de médecine anglaise. La tapisserie. J'ai copié tout un salon de dessous. Évidemment. Croyez, cher ami, que si ma position et mes compétences me donnent quelques crédits. Merci, cher ami. Voulez-vous partager ma dernière cigarette? Oh, vous en avez encore une? Vous êtes très généreux. Oui, j'avais un certain talent pour cela aussi. Je crains que dans la nouvelle optique, cela ne paraisse pas non plus une habileté civique. Je le crains aussi. Je n'ai pas eu le temps de présenter mes respects à Madame la Comtesse ce matin. Veuillez la saluer de ma part. Je n'y manquerai pas. La prochaine liste est pour quelle heure? 1h30, comme d'habitude. L'heure pour mettre le temps de m'annoncer. Monsieur le comte est servi. Il paraît qu'il était chef d'une section sans que je le sache. Cela serait amusant, non? Qu'il entre en commissaire du peuple. Et qu'il vienne m'annoncer, pour la dernière fois, Monsieur le comte est servi. Et là, quick! Je ne comprends pas comment vous avez le cœur de présenter avec des choses pareilles. C'est une tradition de famille. Vous savez que je suis d'origine française. Vous en avez du prétendu en 93, alors nous commençons à avoir l'habitude. Mon laïen, à la pression du carme, enseignait, paraît-il, comment il fallait monter gracieusement les trois marches de l'échafaud. Moi, je merci. Malgré l'importance que j'avais dans les sulfates, je suis le fils d'un cordonnier. Tiens, vous nous l'avez caché, cher ami. Oui. Mais maintenant, je compte bien en faire l'état. Je suis le fils du peuple, moi, et je le prouverai. C'est pas vous féliciter, bien sincèrement. Oh, que voulez-vous? Je sais bien que c'est odieux, ces privilèges de la naissance. Mais enfin, je n'y peux rien. Un cordonnier, une blanchisseuse. Et il n'était même pas marié. Mes compliments. Ma chère, Ivan Krav m'a chargé de vous présenter ses respects. Comment? On ne l'a pas encore fusillé. Mais enfin, si quelqu'un exploitait le peuple, c'était bien les hommes dans ce genre-là. Il avait 15 000 ouvrières, et nous n'avions que 5 domestiques. J'ai assez confiance quant à son sort. Il pense qu'on a besoin de compétences dans son genre d'activité. Il paraît qu'on peut bien faire sans vie dans les sulfates, et les sulfates, la révolution de pas, cela reste du sérieux. Non, rassurons-nous pour lui. Il aura demain 30 000 ouvriers sous ses ordres, les deux 15, le même bureau, et peut-être même la même voiture. Oui, mais il n'empochera pas les mêmes bénéfices. Ce sera bien fait, voilà. Cher Nina, il a le foie de manger que des carottes. Je pense qu'il aura toujours les moyens de s'en offrir. On m'a dit qu'il exerçait un odieux droit de cuissage sur toutes ses secrétaires. Il y aura bien eu de ces malheureuses pour le dénoncer. Elles seront restées ses secrétaires. Et il sera, sous un autre titre, le nouveau patron. Je crains qu'en sa qualité de commissaire au sulfate, son droit de cuissage ne reste intact. Les révolutions vont rarement changer les mains des hommes sur ce plan. Il paraît aussi de le protéger d'un marronnier. Quelle intrigante! Je vous l'avais toujours dit dès que j'ai senti le vent tourner qu'il fallait être très aimable avec ses.
déjà sur l'Ancien Régime, mais celui-là, cela me paraît certain. Vous êtes incapable. Par votre faute, nous allons nous faire fusiller bêtement. Parce que vous n'avez rien su prévoir, encore une fois. Rappelez-vous de ce voyage en France à Dinard, en 1912. Vous aviez enregistré tous nos bagages pour Biarritz, parce que votre maîtresse de l'époque y passait l'été et que vous n'aviez pas cette vie en tête. C'était une danseuse, n'est-ce pas? Tout cela est si loin. Les danseuses ont devenir des fonctionnaires importants du parti. Elles sont plus accessibles. Vous savez, la nouvelle chef, les Hildehausen sont à la prison centrale, les Sturpe et les Bortenheim aussi. Heinrich von Willenstein a demandé à être muté et je ne sais comment il a obtenu. Enfin, tout ce qui avait un nom dans la ville était à la prison centrale. Il n'y a que nous qui restons ici dans une cohue d'hommes d'affaires et de petits bourgeois. Je vous assure, père, vous devriez réclamer avec votre nom, notre place est là-bas. D'autant plus que c'est le seul endroit où on s'amuse encore. Il paraît qu'ils aiment une partie très amusante tous les soirs. On dit même qu'on y était bien servi. Le garde-chef est un ancien maître de taille du métropolitain. Pauvres enfants, je crains qu'ils vous arrêtent. Mais bien sûr, vous, père, vous n'avez jamais su faire valoir vos droits. Toute l'aristocratie est à la prison centrale. Que vous, vous êtes tellement snob que cela vous ravit d'être enfermé ici avec les petits bourgeois. Vous n'avez jamais voulu faire comme les autres. Mon cher beau-père, permettez-moi de vous dire que je suis exactement de la vie de Gertrude. Dans les droits que nous traversons, notre seule consolation est d'être entre nous. Tenez, hier, j'ai évité de justesse mon tailleur et ce matin, j'ai croisé mon bottier à qui je dois beaucoup d'argent et qui en a profité pour faire ami à ami avec moi. C'est désagréable. Mon cher Ludwig, croyez bien que les petites listes qu'on nous porte tous les matins sont tout à fait dérisoires aux petits agacements. Je suis officier, j'ai toujours considéré la mort comme une part normale de mon activité. Et je refuse d'être fusillé entre mon tailleur et mon bottier. C'est mon droit. Vous savez, entre canards. Père ! Mais on ne fusillera jamais Ludwig, il n'a jamais rien fait de sa vie. On ne peut pas dire qu'il est sous le sang du peuple, il a toujours été incapable de gagner un sou. Espérons que cela ne soit compté. Sigmund, vous êtes odieux ! J'ai toujours dit que vous étiez un démagogue et ses enfants ont parfaitement le droit de vouloir être avec leurs amis. Si vous ne voulez pas le faire, j'irai le trouver, moi, le directeur de cette prison, et je ferai un mot d'appel. Un peu de distance, c'est l'heure de la liste. Quelques-uns d'entre nous vont mourir. Mais c'est Albert. C'est lui ? Albert, mon petit Albert ! C'est indécent, je n'ai jamais parlé à cet homme sur ce ton. Ex-Graf von Balancet. Ex-Graf von Hermela von Balancet. Hans von Balancet. Ludwig von Kuberstoff. Gertrud von Kuberstoff. Ex-Baroness Lina von Heiheim. Tout se greffe. Avoir le temps de vous en servir. Ces gens-là vont probablement vous faire travailler. D'où Jésus ? Je ne comprends pas, par contre, c'est cette corde. Je demande à quoi peut bien servir cette corde. Vous êtes bête. C'est tout simplement pour nous empêcher de nous échapper. Papa, j'ai compris où ça va. Je me suis rendu par la fenêtre, sur la caserne de la garde. D'après la position des jardins, c'est peut-être que l'ancien hôtel des Valschutz. Nous sommes chez les Valschutz ? J'avais pourtant juré que je ne remettrai jamais les pieds chez eux. Avez-vous oublié ce qu'ils ont fait à notre pauvre tante Hélène ? Non, je n'irai réclamer nulle part. Ces gens-là nous logent chez nous. Nous ne sommes pas chez les Valschutz, puisque les Valschutz ne sont plus chez eux. Je vais tout de même vous mettre dans la tête qu'il y a eu une révolution. Mais pourquoi nous entiers loger chez les Valschutz au lieu de nous loger chez nous? C'est ce que nous dirons quand ils voudront bien nous le dire, s'ils veulent nous le dire. C'est aussi un... Oui, camarade.
Ex-Graf Sigmund von Valencey. C'est moi. Ex-Graf Hermina von Valencey. Enchantée, puis-je vous demander votre nom? Ex-Baroness Mina von Braheim. Hans von Valencey. Ludwig von Kuberstroff. Vous avez été officier dans l'ancienne armée? J'ai eu fait d'honneur. Bien. Où est Gertrud von Kuberstroff? Ma femme prend un bain. Allez la chercher, camarade. Mais enfin, par exemple, il est inadmissible. Je ne permettrai pas. Tout est admissible et tout est permissible maintenant. Faites-vous bien cette idée dans votre petite tête. Mais mon honneur n'avait plus d'honneur. Elle n'est pas mal roulée. Mais vous croyez qu'elle est bien personnage? J'ai une bonne petite ménagère allemande, voilà tout le monde. Elle sait porter la toilette, non? Ça, il faut qu'il y ait une révolution pour que vous l'ayez comme ça. Ça passait 3 heures dans ses pots de crème tous les matins à se pomponner. Ça avait 12 mois par saison. Et s'en essayait 2 ou 3 avant de se décider à descendre pour le déjeuner. Il faudra veiller à ce qu'elle ait une douzaine de robes. 2 douzaines. Et à ce qu'elle en change souvent. Il ne faut pas lésiner pour le peuple. Bien, camarade commissaire. Je la dresserai. D'ailleurs, c'est tout ce qu'elle sait. Bien. Vous êtes des chiens, des vipères lubriques, des sangsues qui ont sucé le sang du peuple, et vous payez maintenant. Vous avez entendu? Les salves à la prison, tous vos pareils passeront à la casserole, vos enfants de moins de 15 ans, après un temps de rééducation à l'usine. On tâchera de leur apprendre à vous oublier et à accéder à la dignité d'ouvrier. Seulement, ils ne pourront jamais dépasser l'échelon manœuvre de ballet, ouvrier spécialisé, et à plus forte raison, les études pour devenir ingénieur. Pas question. Ils ne sont pas assez bien nés pour ça. À la prochaine génération, on verra avec prudence. Voilà pour les enfants. Pour les adultes, élimination physique pure et simple, c'est la seule méthode qui ait fait ses preuves jusqu'ici. Mais il y a l'éducation du peuple. Il ne faut pas que le peuple oublie. Il faut que dans 10 ans, quand on vous aura tous liquidés, les fils des ouvriers qui ont fait la révolution puissent comprendre eux aussi ce que cela a été. La classe bourgeoise. Les adultes, pas de danger qu'ils oublient. Ils ont assez sué pour vous et pour leur chienne de vie. Mais on s'est posé la question au comité central. Je me donne la peine de vous expliquer tout ça pour que vous compreniez ce qu'on va vous faire. Maintenant, tout est à la culture. Partout, dans chaque ville importante, s'ouvre un musée du peuple. Car il va falloir qu'il se cultive. Le peuple. Fini les parties de boules et la rigolade. Les loisirs, ça doit être sérieux, comme le reste. Travail et culture. On doit sa culture aux parties. Il y aura des examens trimestriels et de fin d'année, avec incidence sur les tickets de rationnement. Celui qui se sera cultivé, il aura droit à un bon de chaussures. Celui qui aura renaclé à l'histoire de l'art, par exemple. Des galoches. Le peuple sera sévère avec lui. Je ne vous demande pas si vous avez compris. Parce qu'avec vos gueules de rétrograde, je vois très bien que vous ne pouvez pas comprendre. Bon, je continue. Dans la culture du peuple, il y a l'histoire. Et dans l'histoire, il y a malheureusement votre place de lubrique qui est un fait historique. Ce fait historique, il faut que le peuple puisse le connaître, comme les autres. C'est grâce à ce petit détail que vous n'êtes pas en train de commencer à bouffer les pissenlits par la racine comme vos petits copains.
Le gouvernement provisoire a décidé que dans chaque ville importante, une famille bourgeoise serait épargnée, qu'elle continuerait à vivre à sa façon, que le peuple serait autorisé pendant ses heures de loisirs à venir la regarder vivre, pour ne pas oublier. Vous, vous avez été recommandé au comité par le camarade Albert, qui vous connaît bien, qui a dit que vous feriez l'affaire. Et ici, c'est un musée du peuple. Vous allez y vivre comme chez vous, comme autrefois. Et derrière ces corps, le peuple viendra vous regarder. Ouais, comme aux yeux. Alors tâchez de le faire rire, bande de singes. Pour le détail, le camarade Albert, qui est chargé de ce service, vous expliquera. Et moi, je vais rendre compte au comité et on vous inaugurera demain. Alors tâchez d'être prêt et de faire l'affaire. Car n'oubliez pas qu'il y a d'autres candidats qui préféreraient ça de beaucoup à la racine de pissenlit. Ça signifie que le bon temps est terminé. Qu'il va falloir désormais prendre un autre ton avec moi, ma petite dame. Votre petite dame, Albert ? Parfaitement. Même que si vous avez encore un éventail dans votre nez, c'est grâce à moi. Les candidats au musée du peuple, permettez-moi de vous dire qu'ils n'en manquaient pas pour sauver leur peau. Votre veine à toute la famille, c'est que j'étais chef de section. Il y a 10 ans que je m'accorde. J'étais là quand le comité révolutionnaire a décidé la chose. J'ai levé le doigt. Et j'ai dit, camarades, j'étais larbin. Et mes singes comme affreux bourgeois, c'est ce qu'il y avait de plus dégueulasse. Vous ne trouverez pas mieux. Bien qu'ils m'ont dit, on les prend à l'essai. J'ai dit à l'essai. Croyez, Albert, que nous sommes infiniment reconnaissants de tout ce que vous avez fait. Vous allez en profiter pour nous humilier ? Pour vous venger, je suppose ? Même pas. Car moi, vous ne m'avez jamais humilié. J'avais cru le faire, sans doute, quelquefois. Mais ce n'était que votre mentalité de bourgeois. Le domestique, il ne s'humile pas comme ça. Ou pas parce que vous croyez. Quand vous preniez vos grands airs, je rigolais. Oui, madame la comtesse, bien, madame la comtesse. La place était bonne, et vous payiez bien. Et je savais des choses que vous ne saviez pas. Votre café, par exemple, vous vous souvenez? Vous n'arrêtiez pas de nous dire, Albert, pourquoi ce café est-il si amer? Oh, je ne sais pas, madame la comtesse. Erreur. Je savais très bien, j'ai pissé dedans. Jusque-là. Et vous en apprendrez d'autres. C'est pour ça que le capitalisme est que je le suis. Seulement, je n'aurais jamais cru pouvoir vous le dire que je pissais dans votre café. La révolution, elle m'a permis la révélation. Voilà tout. Eh bien, si vous devenez un personnage important du régime, je souhaite que vous ayez un valet qui fasse aussi pipi dans le vôtre. Voilà. Oh, ce qui n'est pas méchant, tante Mina. Trois gouttes. Puis d'abord, ne vous plaignez pas. Est-ce qu'il était amer, votre café ? Jamais, je dois le reconnaître. Pour le vôtre, je ne pissais pas. Parce que, baronesse ou non, vous étiez une brave. Merci, mes tâches. Passez, cher Albert. J'allais vous le dire, mais pas de familiarité. N'avez pas de la situation. Appelez-moi camarade, sous-commissaire, adjoint. C'est un peu long. Alors, ne m'appelez pas. Sonnez, comme autrefois. Parce que vous allez rester à notre service, c'est merveilleux. À votre service. Il ne faut pas exagérer. Pendant les représentations, c'est tout. Les représentations. Oui. Le musée du peuple sera ouvert de 8h à 10h. Le lever du bourgeois. De midi à 2h, le repas du bourgeois. Et le soir, de 9 à 11. De 8h à 10h et de midi à 2h, les usines enverront les sections par équipe. Réservées au travail. Et le soir, entrez libre. Ils pourront y revenir avec leur famille, s'ils y ont pris goût. Le soir, il y aura la queue, je vous le dis. La queue, qu'est-ce qu'ils feront ? Là, derrière ces cornes, ils vous regarderont. Nous regarderons faire quoi ? Vivre. On vous demande de vivre, comme vous viviez avant. Et pour le peuple, son instruction et son divertissement. Il va falloir apprendre un rôle, mais je n'ai aucune mémoire, je n'ai jamais su une femme.
Mais non, tante Mina, t'en fais pas. Qu'est-ce que tu faisais toute la journée dans un coin du salon? Tu tricotais des chaussettes pour les pauvres. Oui. Eh bien, pour toi, ce ne sera pas plus compliqué. Tu continueras à tricoter des chaussettes. Seulement, maintenant qu'il n'y a plus de pauvres, vu que la révolution est faite, je me demande bien qui vous donnera. Enfin, nous verrons ça au comité central. Parce qu'on va prendre aussi mes pauvres. Il n'y en a plus, je te dis. La famille Brucard n'a plus cet enfant en bas âge. L'État s'en charge. Et la mère n'est plus tuberculeuse. L'État s'en charge. Son ivrogne de mari ne la bat plus. L'État... Ça, on peut pas tout faire en même temps. Mais au comité central, ils ont dû prévoir aussi les ivrognes. Monsieur Albert! Camarade sous-commissaire adjoint, si vous voulez bien. Sous-commissaire adjoint, vous allez dire à vos nouveaux maîtres que l'on peut venir me prendre et me fusiller. Je suis un ancien officier, je ne ferai pas le pitre pour distraire la racaille. Trompez! Faites l'idiot, monsieur Ludwig. On ne vous demande pas de faire davantage le pitre que vous n'aviez plus de le faire. Monoc, étalon qui claque, tu seras la racaille. Rompez! Ça ira très bien. Et la nation vous nourrira gratis, aimez-vous. Je leur tournerai le dos. Parfait, ça sera dans le rôle. Ils n'auront pas un regard de moi. Mais j'espère bien. C'est si vous vous mettiez à être aimable que ça n'irait plus. On vous dit qu'on veut que le peuple il vous voit tel que vous étiez. Madame Gertrude, vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Comptez sur moi. Le soir où la révolution a éclaté, il y avait un gala français au Grand Hôtel avec une présentation de tous. Les mannequins se sont réfugiés à l'ambassade, mais j'ai fait faire un bon de réquisition et je suis arrivé le premier de justesse. Je voulais que mes bourgeois à moi, qu'ils soient les mieux vêtus. Toute la collection de Doucet pour moi, mais c'est merveilleux. Quand je vous dis que c'est du bon, la révolution. Après tout, père, qu'est-ce qu'on risque d'accepter? Moi, j'ai 20 ans, père. Le repentir risque d'être bouleversé, et de toute façon, il est hors de question de poser les frontières. Je compte bien, madame, pour de demain. Je travaillerai. De mes mains, au besoin. Honte, voyons. Minute, mon coco. Pas question de s'adapter à quoi que ce soit. De vieux copains vont te laisser devenir ouvrier et bénéficier des avantages réservés aux travailleurs. Toi, travailler de tes mains. Le joli cœur, oui. Le pont à rien, comme d'habitude. Le poker, la danse. Le tir au pigeon. Mais sous vos graphies. On va rationner l'alcool. Mais pour vous, pendant les représentations, il sera libre. On tient à ce que le public vous voie rond. Et pour l'amour, les petites femmes de chambre derrière les portes. Et elles. Nous aurons des femmes de chambre. Jolies. Ça, on n'y a pas pensé. En tant que fonctionnaire chargé du service, c'est moi qui devais m'en occuper. Mais on n'a pas fait la révolution pour que j'aie deux fois plus de travail. J'avoue qu'on n'a pas prévu une. Peux-tu même pas demander aux filles du peuple de se donner un spectacle? Enfin, on tâchera de trouver une actrice. Une de celles qu'on a coffrées parce qu'elle couchait avec des grossiums, qui sera trop ravie de jouer le rôle plutôt que d'être tondue. À votre avis, Sigmund, quelle doit être notre attitude? Et je pense que nous n'avons pas d'attitude à avoir. C'est désormais au-dessus de nos moyens. Nous sommes des ilotes. Et si nous sommes des ilotes, ma foi, nous jouerons des ilotes. Et vous prenez pas la tête? Vous n'êtes pas des ilotes, vous êtes des amuseurs du peuple. Et puis d'abord, qu'est-ce que c'est des ilotes? C'était un peuple assali par les Spartiates et ramené au rang d'esclaves. Les Spartiates les enivraient à dessein et leur donnaient loisir de faire toutes les horreurs possibles et imaginables afin que les enfants Spartiates, tout en plan, ils prennent le vide sans horreur. Ah, ils avaient déjà eu l'idée dans le temps. Et ça a donné quelque chose? Sur le moment, sans doute, mais il y a plus de 2000 ans. Vous savez, Albert, tout se tasse, même la révolution. Je sais bien, monsieur le comte. Pourquoi je ne sais pas s'il devait y avoir une réaction des grandes puissances ou pas quoi un accident. Il faudra tout de même vous souvenir. C'est bien comme ça que je l'avais pris, Albert. Allez voir dans la bibliothèque des Patchouts ce s'il reste des cigares. Il y a 15 jours que je n'ai pas fumé. Tenez, il n'y a plus rien chez les Patchouts ni ailleurs. Ce sont les vôtres. Mais pendant les représentations,
Le comité a dit qu'on vous en fournirait. Permettez-moi de vous en offrir un, puisque ce sont les miens, et fumons donc ensemble. Et ça ne nous est jamais arrivé. Que voulez-vous, monsieur le comte? Il fallait bien que cela change un jour. Il y avait trop d'abus. Bien sûr, Albert. Remarquez qu'il en aura d'autres, de l'autre côté. Ça fera une moyenne. Tout se tasse, mon vieil Albert. Et justement, nous commençons à nous faire vieux tous les deux. Et la réaction de Hans m'a plu tout à l'heure. Il a 20 ans, lui. C'est notre nouveau, mon Dieu. Écoutez, je ne dis pas... Il ne faut pas promettre l'impossible. Mais avec un peu de temps et beaucoup de protection, j'ai quelques bons copains au comité central. Je tâcherai de le faire entrer dans une usine. Merci. Camarades, membres du comité révolutionnaire pour l'instruction et l'éducation du peuple, le musée du peuple va bientôt ouvrir. Suivez-moi. Camarades, en tant que comité révolutionnaire pour l'instruction et l'éducation du peuple, vous avez le devoir révolutionnaire de décider si le spectacle historique que vous allez voir est digne d'être montré au peuple. Le président du comité révolutionnaire pour l'instruction et l'éducation du peuple va bientôt arriver. Quand il sera là, il aura besoin de vous, de votre avis, de votre soutien. Si les bourgeois, ils sont bons, c'est bien. S'ils sont pas bons, c'est beau mieux. Vous lui répondrez avec respect, réserve, enthousiasme. Dignité et concision. Également, nous vous demandons de ne pas jeter des fruits et légumes pourris sur la sale gueule des bourgeois, même s'ils sont mauvais, par respect pour les camarades chargés de l'entretien du musée du peuple. N'oubliez pas, respect, réserve, dignité. Nous sommes les représentants du peuple. Camarades, vive, dévoilez la scène. Nous commençons quand le président sera là. Je m'en fous. La présentation peut être réussie. À ce propos, Albert, moi aussi, je commence à avoir faim. Vous voulez me servir?
comprenez pas que les camarades cuisiniers vont travailler hors des horaires pour vos sales gueules de bourgeois. Le camarade président du comité révolutionnaire pour l'instruction et l'éducation du peuple. Madame la comtesse est servie. J'ai peur. Je meurs de peur. Je n'ai jamais pu parler en public. On fait parler aux socottes. Mademoiselle la baronesse, prendra-t-elle son thé au lait ou au citron? Au lait. Un peu plus haut, essayez. Vous trouvez quelque chose, mon Dieu, il vous fout dehors. Madame la comtesse prendra-t-elle un œuf? Vous avez appris que votre mari avait pu coucher avec la chez vous pendant votre voyage à Paris.
savez, Cécile. Je n'ai pas le jour de me le rappeler. Monsieur le comte, vous m'aurez raison. J'ai le brossin dans la rétroplacière. Oh, celle-là, c'est la pierre. Moi, quand j'étais tout môme à la campagne, je lui ai apporté des fromages à la comtesse. Un matin, elle me fait entrer pendant qu'elle était dans sa salle de bain. C'est vicieuse. Elle m'a pris elle-même la main. Du beurre, mon vieux. Du beurre. J'étais trop môme. À cet âge, on n'apprécie pas. Ça va, monsieur le président directeur général ? Ça va. Je vais vous dire, quand je vois mon reflet dedans, je finis par être content. Il est beau, mon parquet. D'un côté du mien, je n'ai pas le temps. Ah. Allez, on se dépêche ! La présentation va bientôt commencer. Je veux qu'on s'y casse la gueule sur ce parquet. Un miroir ! Toi, ça va. Moi, c'est lamentable. Qu'est-ce que tu faisais avant ? J'étais dans les sulfates, président directeur général de la Brownfield. Tu avais un garçon de bureau ? Oui. Et ton bureau ? Tu l'as débris ? Non, j'avais la moquette. Et moi, je n'ai pas de moquette, mais je veux qu'on s'en brille. Alors, mets-en un coup si tu tiens à quête ta gamelle de soupe ce soir. On exploite le peuple, mais j'ai contacté plusieurs camarades pour voir ce syndiqué. Tiens. Oui. Je croyais que vous aviez une spécialité. J'ai constitué un dossier avec toutes mes références dans les sulfates. Ils m'ont dit que c'est parfait. Ils m'ont dit fauteur. Alors vous voyez, j'ai eu de la chance. Ils avaient justement besoin d'un joueur de bridge. Mais attendez qu'ils veuillent vendre aux Américains leur sulfate. Ils sont bien forcés de se souvenir de moi. J'espère pour vous, mon vieux. Un cigare. Vous en avez un ? Tous les soirs, fourni par le gouvernement. Vous croyez que c'est ça la justice ? Oh non, je ne l'ai jamais cru. Et non plus d'ailleurs. Un seul fait issu. Il n'y aura jamais assez de cigares pour tout le monde. Mais alors il faut les supprimer. Peut-être. Ce sera dommage. Ainsi, le cordonnier et la blanchisseuse ne vous ont pas servi de caution. Non. Mais vous savez pourquoi ? Non.
parce qu'il n'était pas marié. Allez, Ous ! On commence ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un cigare. C'est lui qui me l'a donné. T'inquiète. Il ne faudrait tout de même pas abuser, monsieur Clon. Albert, il est 9h. Je vous prie de me parler sur un autre ton, d'aller fermer les doubles rideaux du salon. Oui, monsieur le comte. Et vous renouvellerez ma promotion de cigare, n'est-ce pas? Bien, monsieur le comte. Comme vous êtes belle ce soir, c'est pour nous. Non, je passe un moment avec vous, et ensuite je vais à l'opéra au second acte. Père, puisque nous sommes seuls, j'aimerais vous parler de vous. Devant eux. Je ne m'occupe plus d'eux. Les trois premiers jours, j'ai été gênée. Maintenant, c'est comme s'ils n'étaient pas là. Père, la scène de l'autre jour avec Ludwig m'a été très pénible. Petit, j'ai été odieux. Nous avons tous des excuses. Cette brusque explosion de vérité m'a beaucoup frappée. C'est vrai, Ludwig me trompe avec des filles. Et c'est vrai que je le sais. Ne croyez pas que c'est pour ça que j'ai des amants. J'en ai eu tout de suite après mon mariage. Je le sais. Père, je n'ai jamais aimé Ludwig. Pourquoi l'as-tu épousé? Personne ne t'a forcé. Ta mère était bien contre ce mariage. Il était à déterminer. Il nageait et dansait bien. Il avait un joli nom. Toutes mes amies avaient envie d'épouser. La vérité, c'est que j'étais une jeune femelle. Tu sors du meilleur moment. Tu vas m'envoyer à l'étranger pour les meilleures familles. Mais justement, c'est comme ça qu'on devient une jeune femelle aimée. Personne ne s'est jamais vraiment donné la peine de m'apprendre à être une vraie femme. Maman n'avait pas la moindre idée de ce que cela pouvait être. Et vous, toujours loin et gentille, j'ai toujours été seule. Et je crois bien que ce ne sont pas les amants que je prends, toujours sur le même modèle, qui risque de me la prendre.
Vu de sa condition, j'aurais été beaucoup plus inquiet dans la promiscuité de la prison de le voir s'amouracher d'une petite bourgeoise qu'il aurait ensuite voulu épouser. Moi, je la trouve très mignonne, cette petite calvaire que vous avez procurée. Pleine de réserve et de distinction. Croyez-vous cela trop? Paraît qu'elle jouait nue dans un cabaret. Pourtant, elle tricote très bien. Maintenant que vous me le rappelez, que je ne crois me souvenir d'avoir vu au Paradise dans la Révolution. Elle y faisait un numéro de striptease étonnant. Qu'est-ce que c'est qu'un numéro de striptease? Qu'est-ce qui vous concerne, madame? On a émancipé les femmes et j'en ai assez d'être traitée en enfant. Je veux qu'on me dise ce que c'est qu'un numéro de striptease ou je ne joue pas, voilà. Vous êtes agaçante avec vos caprices. Jouez donc et laissez leur polissonnerie à ces messieurs. Je ne me suis jamais intéressée aux polissonneries, mais je veux qu'on me dise ce que c'est qu'un numéro de striptease. C'est bien. Je chercherai dans mon vieux dictionnaire. J'ai eu un accessit en anglais autrefois chez les demoiselles du Sacré-Cœur. J'étais très forte. I was very strong. Bien, puisque vous le prenez sur ce temps, j'ai le grand chelet et vous me devez tous 2000 haricots. Voilà. Camarades, comme vous le voyez sur le coup de 10 heures, les bourgeoises veulent servir des orangeades et des sorbets. Les sorbets. C'était des glaces aux fruits pour les aider à digérer tout ce qu'ils avaient mangé au détriment du peuple. Ensuite, si on n'allait pas à un bal ou à l'opéra, on jouait aux cartes, en famille ou entre amis, et la partie pouvait se prolonger jusqu'au coucher. Les hommes en profitaient parfois pour parler affaires en fournant leur cigare, et c'est là qu'ils s'entendaient sur la meilleure manière de pressurer le peuple pour s'assurer leur monstrueux bénéfice. Les femmes, quant à elles, parlaient de leur côté, avec toute la futilité de leur plastique. Je vous donne un exemple. La robe que vous voyez sur le dos de la jeune bourgeoise pouvait coûter un peu de choses près, 6 à 8 mois du salaire d'un travailleur chargé de famille. Ces robes étaient très fragiles. Et une femme qui voulait soutenir l'orgueil de son rang, comme ils disaient entre eux, ne pouvait guère la porter plus de 2 ou 3 fois. Non pas qu'elle était fraîchie, mais parce qu'il fallait sans cesse en changer. C'est un sentiment que les femmes normales ne peuvent pas comprendre. Et c'est pour ça qu'on m'explique. Enfin, je vous laisse calculer combien ça pouvait coûter au peuple chaque année une femme comme celle-là. Maintenant que vous avez vu le début d'une soirée chez les bourgeois, on va leur faire interrompre leur partie de cartes qui n'est jamais très intéressante. Parce qu'il leur arrive souvent, absorbé par leur jeu, de jouer longtemps en silence. Et puis, il ne faut pas oublier les camarades qui attendent pour la seconde séance. Vous allez suivre les couloirs derrière les camarades guides pour passer dans la chambre à coucher. Et là, vous verrez comment ils se faisaient aider pour se déshabiller. Et comment ils donnaient des ordres à leur domestique jusqu'au dernier moment. Avancez, camarades, avancez. Vous préparez-vous à passer la clé pour la nouvelle soirée et les adieux de la nuit. Et faites en sorte que vous soyez un peu plus animé qu'hier. Vous êtes allé au lit, c'est en vous discuter. Il y a des fleurs, il faut que vous vous relâchiez. Vous n'obligez pas à faire un rapport pour vous, camarades de l'essai. Il y a des ordres partout.
enfants pas trop. Tu peux me caresser, m'embrasser très souvent derrière les portes. Ils auraient pu en choisir une autre quand je ne serais pas connue du tout. C'est la première fois que je suis amoureux de quelqu'un et que je ne peux pas faire la main. C'est peut-être mieux ainsi. J'ai l'impression que tu l'as toujours fait un peu trop facilement, Julien. Mais toi, je t'aime. Justement, tu vas attendre un peu, ça ne te fera pas de mal. Quelquefois, je pense au soir dans ma baraque. C'est trop bête, ça aurait été si facile au paradis avant la révolution. Eh bien, ça aurait été trop facile. Comment ? Tu m'aurais vu faire mon numéro, tu m'aurais invité à ta table, on serait partis ensemble. Oh, ça aurait été merveilleux. Justement, ça n'aurait pas été merveilleux. Tous les deux dans un lit, ça n'aurait pas été merveilleux. On s'en serait même pas aperçu. Un petit noceur et une petite putain qui aurait fait ce qu'il faisait d'habitude. Tu ne comprends pas, petit idiot chéri, que c'est justement parce qu'on ne peut pas qu'on va peut-être s'aimer vraiment. Tu en sais peut-être plus que moi. Dis donc, petit sacreur, c'est comme ça que tu t'es fidèle à la seconde séance? Pour aller embrasser des mousses-mets derrière les portes, comme d'habitude. Allez, va vite leur montrer comme tu es rond. Je ne suis pas sous, je ne bois plus, exprès. C'est du sabotage! C'est de la contre-révolution! Tu veux me faire le plaisir d'aller te saouler tout de suite? Non! Comment, bon? Tu veux que j'appelle le petit garde? Quant à toi, petite putain, c'est toi qui me débauche! Tu retournes à ton camp et tu vas aux pommes de terre comme les autres! Fini le joli petit habillé! Nous nous aimons! Pas les oignons! Moi, j'ai un spectacle assuré! Alors, comme ça, le mignon, vous croyez qu'on a fait la révolution pour vous permettre de vous aimer? Oui, justement, petit Albert. Sans la révolution, on n'aurait jamais pu s'aimer tous les deux, mon petit Albert. Sous-commissaire adjoint! Soyez poli, jeune homme! On a fait la révolution pour ne plus avoir à être poli! Vous en aviez assez de dire, monsieur le comte! Eh bien, moi, j'en ai assez de dire, monsieur le sous-commissaire adjoint! Camarade, sous-commissaire adjoint! Il n'y a plus de monsieur. D'abord, ça n'a aucun rapport. Si! On a fait la révolution pour être libre. Et pour permettre aux gens de s'aimer comme ils le voulaient. J'aurais été un petit vicomte avant. Alors, je n'ai plus de putain. J'aurais eu l'argent plein des poches. J'aurais rêvé. Mais il n'y a plus de vicomte. Il n'y a plus de putain. Il n'y a plus d'argent. Et vive la révolution! Il faut entendre tout de même. Seulement, on n'est pas encore au point à la révolution, Albert. Et c'est vous qui allez l'achever. Moi? Oui, vous, Albert. Vous savez ce que vous allez faire? Non. Mais je ne peux pas le savoir. Vous allez dire aux soldats de ne pas la ramener au camp ce soir. Que vous avez besoin d'Elise. Et vous allez me prêter votre chambre là-haut. La seule qui ferme la clé et où il n'y a personne pour nous regarder. Moi? Je vais vous prêter ma chambre de fonctionnaire du parti. Il est fou. Il est complètement fou. Non, Albert. Je suis amoureux. Demain, on retournera au camp et on aura pas grand-chose de leur voir. Dans un mois, elle sera libérée. Elle m'attendra. Et dès que vous aurez pu me placer en usine, je vous mettrai en ménage tous les deux, dans une petite chambre. Et là, la révolution sera vraiment faite. Et que dira monsieur le comte? Albert, un vieux révolutionnaire. Ça m'échappe. C'est bon. Je ferme les yeux. Et c'est la clé. Si vous faites prendre, je dirai que vous me l'avez volée. Merci Albert, on pensera à vous. Ce que je suis bête. Mais ils ont beau dire. Regardez ça. Ils avaient tout prévu dans le plan. Sauf que je serais resté aussi bête à mon âge. Ce soir, odieux. Parlez entre vos dents. Ils vous ont crié plusieurs fois plus haut, on vous entend.
avez été parfaite. Non, je ne ris pas. Je n'arrive à me demander si notre vocation, au lieu d'être une vraie comtesse, n'était pas de jouer les comtesses. Quel abattage, ma chère. La seule chose qui m'ennuie, c'est d'avoir à recommencer ces disputes tous les soirs. Je finis par être moins sincère. Vous êtes sûr que c'est nécessaire, Albert ? Le public aime. Et puis, ne me racontez pas d'histoire. J'ai vécu assez longtemps avec vous. C'était tout de même ça, votre vie. Oui. Mais elle a joué tous les soirs devant les autres. On la voit soudain, sa vie. Une dérision. Tiens, je suis capable de sentir cela, Hermione. Pourquoi ? Comme c'est drôle. Le mariage est une chose difficile, bien sûr. Mais il y a des couples qui ont réussi à vieillir l'un pour l'autre. Philémon et Baucis, et s'ils s'étaient aimés. J'ai dû vous aimer, jeune fille. Il y a eu un moment, avant que la vanité et le monde ne vous absorbent et des figures, vous avez eu une sorte de grâce. Un peu maladroite, mais touchante. Ce qui nous a manqué, c'est d'avoir à lutter ensemble pour quelque chose. Gagner notre vie, par exemple. Peut-être. En tout cas, moi, j'en ai assez de passer ma vie à jouer aux cartes. Vous n'avez jamais fait autre chose. Je pourrais m'occuper de chevaux. Je connais très bien les chevaux. On pourra voir ça plus tard. Si on vous trouve un remplaçant. On ne manquera pas. Vous aimeriez ça, il y a plus de temps. Vous nous mettez dans un élevage avec des chevaux. Peut-être. Je pense que ce serait peut-être l'occasion de vous rencontrer. Je dois remettre ma robe, Albert, pour la seconde séance. Bien sûr. Je ne peux pas jouer en déshabillé. À 10h du soir, dans un salon de l'aristocratie. Ça ne se serait jamais vu. Ça aimait se montrer, ces femmes-là. C'est vrai. Vous aussi, vous êtes fatigué, mon vieil Albert. C'est dur, hein, la seconde séance. Oui, c'est dur. Une seule aurait suffi. Mais il est si nombreux, le peuple. Oui. On ne s'en rendait pas compte, mais vraiment très nombreux. Vous savez, Albert, ce que je me demande parfois, c'est pourquoi vous avez choisi de reprendre ce métier. À faveur des événements, vous auriez très bien pu faire autre chose. Oui. Mais je vais vous dire, quand on a fait quelque chose toute sa vie, et puis au fond, ça m'amusait de vous servir. Vous étiez comme des gosses râleurs. Mais seul, aucun de vous aurait été capable de se nourrir. Chacun de nous avait son rôle. D'une certaine manière, on était égaux. On jouait un peu la comédie, déjà. Comme ce soir. Puis... sans personne ne servir, moi... je me suis regretté. Enfin, c'est pas tout. Au travail. C'est la seconde séance. Allez tous vous remettre en tenue. Hans, où est Hans? On n'a pas vu Hans ce soir. Hans a été dispensé de seconde séance. Hein. En vue d'un intérêt supérieur. Hans est en train de travailler pour la Révolution.